pour moi, être comédien et chrétien a tout un sens, car l'art, c'est rechercher le beau. Et le beau, c'est qui? C'est Dieu. Bonjour, je m'appelle Aymeric, j'ai 20 ans et je suis en école de théâtre. Je suis chrétien. Je suis le troisième de 5 enfants, né d'une famille chrétienne. Et je suis né dysphasique. La dysphasie, c'est un problème de compréhension à l'oral, problème de compréhension, problème de vocabulaire à assimiler. Et donc j'ai parlé vers 3-4 ans. Et j'ai eu 7 ans d'orthophonie. Et donc j'étais l'enfant le plus pris en charge par mes parents. Le plus bichonné. Sauf que, j'ai eu une relation assez privilégiée avec mes parents et qui étaient chrétiens, donc je croyais en Dieu. Du moins, je me faisais à l'idée que Dieu existait. Et c'est vers l'âge de 12 ans que j'ai rencontré Dieu, personnellement, intimement. Ça fait toujours bizarre de dire ça parce que Dieu, c'est partout, donc j'ai rencontré quelque chose de pas concret, parce que Dieu est partout et tout. Donc, mais je l'ai rencontré à une veille de prière un week-end pour jeunes, donc qui s'appelle Betabara, l'association de louanges pour les jeunes Betabara. Et en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je suis attiré par l'art. J'aime danser, j'aime chanter, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Sauf que j'écrivais des histoires, donc bourré de fautes de français, mais j'en écrivais quand même. Et puis, quand j'ai rencontré Dieu, c'est là où vraiment il y a eu un hop, c'est-à-dire que toute la conception de Dieu devenait concrète. C'est-à-dire que le fait que pour moi, avant, Dieu, il nous regardait, il nous aimait, mais il n'y avait pas tellement d'échange si profond. Je ne pensais pas que ça pouvait exister un échange, enfin, une relation si profonde, comme un homme et une femme, ou une relation familiale, etc. Là, c'est une relation de Dieu à toi, de toi à Dieu. Waouh, tu touches l'éternel. Et donc, en plus du fait que Dieu me disait « Mais hé, hey, regarde, je t'aime, en fait, je t'aime. » Eh bien, il m'a dit « Regarde tous les dons que je t'ai donnés et mets-les à mon service. » Alors, dit comme ça, ça fait un peu « Oui, je suis à votre service. » Et non, en fait, être au service de Dieu, c'est être au service de l'humanité. Et donc j'ai décidé d'être au service de Dieu pour l'humanité, car nous faisons partie de Dieu, nous formons un seul corps, toute la terre entière, une communion immense, parce que Dieu nous aime et Dieu nous a créés pour lui, pour notre bonheur, et pour un passage vers l'éternel, sa vie avec lui. Et donc... je suis très heureux de vous le témoigner. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens sur ma route qui font que j'ai été dans des groupes chrétiens, de musique, de théâtre, et puis des groupes de prière. Toutes ces choses-là font que j'ai décidé de m'engager vers Dieu pour l'humanité. Comme ça, c'est très campagne, mais n'empêche que j'ai, Dieu est venu dans ma vie et j'ai décidé de le suivre. Moi, aujourd'hui, je suis comédien, je suis dans une école de théâtre, et pour moi, être comédien et chrétien a tout un sens, car l'art, c'est rechercher le beau, et le beau, c'est qui? C'est Dieu. Et donc, même si je ne joue pas une pièce qui parle explicitement de Dieu, eh bien, j'évangélise, parce que le théâtre, c'est la vie, ça montre la vie.
Et donc, ça parle de Dieu. Nous allons pouvoir prier ensemble l'Esprit Saint, lui demander qu'il puisse... que ceux qui n'ont pas trouvé leur talent puissent... que Dieu puisse leur montrer et qu'ils puissent marcher avec Dieu à sa suite. Amen. Esprit de Dieu, Esprit de feu, embrase-nous. Nous t'en supplions, Esprit de Dieu, Esprit de feu, embrase-nous. Nous t'en supplions. Seigneur, on te confie la France. Viens bénir tous nos dirigeants politiques. Qu'ils puissent trouver une solution, qu'ils puissent trouver les bonnes décisions. Esprit de Dieu, Esprit de feu, embrase-nous. Nous t'en supplions, Esprit de Dieu, Esprit de feu, embrase-nous. Nous t'en supplions. Seigneur, je te confie tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire, mais c'est qui ce mec chelou ? Fait que chacun puisse trouver sa voie, son chemin. Chacun puisse apporter sa pierre dans ce monde. Amen. Esprit de feu, embrase-nous. Nous t'en supplions, Esprit de feu, embrase-nous. Nous t'en supplions. Amen. Merci Seigneur. Bon courage pour le confinement. Et soyez bénis. Big up. Ciao.